Salut à tous et bienvenue sur Geeksmi, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Honor 9 Lite. Ce smartphone d'entrée milieu de gamme, disponible sur Amazon au prix de 193€, arbore un design que j'ai trouvé vraiment très réussi. Grâce à la présence d'un verre 2,5D, l'appareil propose de jolies courbes, qui n'a rien envie à des modèles bien plus onéreux. Le Honor 9 Lite est un smartphone fin et léger, puisqu'il mesure 7,6 mm d'épaisseur pour un poids de 149g. Grâce à ses bords arrondis, sa prise en main se révélera très bonne. C'est aussi un produit très bien fini qui allie plusieurs matériaux. Son dos est composé de plusieurs couches de verre qui produit un effet miroir. Quant à son cadre, il est lui entièrement en aluminium. Au dos du produit, on retrouve aussi le lecteur d'empreintes digitales qui vous servira pour sécuriser et déverrouiller votre smartphone. Celui-ci est d'ailleurs assez bien placé et facilement accessible avec son doigt. En façade, on dispose d'un grand écran de 5,65 pouces au format 18/9. Juste au-dessus, on peut apercevoir une double caméra de 13 mégapixels et 2 mégapixels. Sur la tranche inférieure, on retrouve une prise micro USB qui vous servira pour recharger l'appareil. Il vous permettra aussi de faire vos transferts de données et il est aussi compatible OTG, ce qui vous permettra donc d'y raccorder une clé USB. Juste à côté, on retrouve une prise audio jack de 3,5 mm qui vous servira pour y venir brancher les écouteurs fournis dans la boîte. L'appareil dispose sur le côté gauche d'un emplacement hybride qui peut recevoir sur son premier emplacement une carte nano SIM et sur son deuxième emplacement soit une carte nano SIM, soit une carte mémoire micro SD. Le Honor 9 Lite fonctionne sur la dernière version du système d'exploitation Android 8 Oreo. Il utilise aussi la surcouche eMotion UI version 8. Personnellement, c'est une interface que j'apprécie beaucoup, l'ensemble est fluide et le smartphone est vraiment très agréable à utiliser, que ce soit pour surfer sur internet ou encore lancer ses applications favorites. Les déplacements dans les menus s'effectuent donc sans problème. Il bénéficie en plus d'une ergonomie simple et efficace. Autre point intéressant, le Honor 9 Lite propose pas mal d'options pour personnaliser l'interface du smartphone. On peut par exemple masquer le tiroir d'applications ou encore personnaliser l'apparence grâce à différentes animations et fonds d'écran. Sa surcouche propose un accès rapide aux fonctions présentes dans certaines applications. Pour les faire apparaître, il vous suffira juste de rester appuyé quelques instants sur l'icône de l'appli en question. Autre point appréciable, le Honor 9 Lite permet aussi de bloquer les appels et les SMS indésirables. Comme d'habitude, on retrouve sur la partie supérieure de l'écran le volet déroulant. Celui-ci vous permet d'afficher vos notifications et donne accès rapidement à certaines fonctions, comme les connexions sans fil ou encore le réglage de la luminosité de l'écran. Sur l'écran d'accueil, on retrouve un emplacement qui regroupe toutes les applications Google, comme par exemple la messagerie Gmail, l'application de cartographie Google Maps, YouTube, le service de stockage en ligne Google Drive, ou encore on retrouve aussi l'application de bureautique dédiée au traitement de texte et au tableur. Si vous êtes un adepte des réseaux sociaux, vous devriez être ravi puisque le Honor 9 Lite intègre un clavier virtuel prédictif, ce qui permet donc de taper les mots très rapidement et facilite ainsi la saisie des tweets, des SMS ou des emails. La taille du clavier permet aussi un bon confort de saisie. Or pour info, sachez que celui-ci est d'ailleurs adaptable aussi bien pour gaucher que pour droitier. Niveau caractéristiques techniques, il intègre un très bel écran IPS Full HD+, d'une définition de 2160 x 1080 pixels. Celui-ci propose un affichage de qualité. Le rendu est vraiment très agréable à l'œil, on bénéficie en prime d'un joli piqué. Quant aux couleurs, elles sont par défaut assez équilibrées. Sachez qu'il est même possible, dans le menu des paramètres, de régler plus finement la température des couleurs. Du point de vue des composants, on a le droit à un processeur 8 cœurs Kirin 659, d'une fréquence de 2,36 GHz. Celui-ci consomme peu d'énergie, cela n'empêche pas d'assurer un bon niveau de performance et qui sera donc largement suffisant pour faire fonctionner plusieurs applications en même temps. D'ailleurs, concernant ses performances, eh bien c'est pas mal du tout, par exemple sur l'application de test AnTuTu, qui je vous le rappelle va permettre de stresser ses composants pour ensuite obtenir un résultat chiffré, et bien ici on obtient un score de 88 138 points, ce qui est par exemple supérieur au score du Honor 7X ou du Samsung Galaxy J5 2017. L'appareil dispose de 32Go de mémoire de stockage, avec un stockage réel plus proche des 22Go. Sur la partie gaming, pas de soucis en particulier, à condition toutefois de ne pas régler les détails des jeux au maximum. En utilisation, son chipset graphique Mali 830 MP2 permet d'obtenir un rendu fluide, ce qui garantira une expérience de jeu satisfaisante. Vous pourrez ainsi faire tourner des jeux 3D comme Asphalt 8 ou encore des jeux de combat comme Tekken. Pour mesurer son autonomie en utilisation intensive, j'ai utilisé comme d'habitude le test d'autonomie intégré à l'application PCMark. Celui-ci va simuler différentes tâches multimédia, allant de la navigation web à la lecture vidéo Full HD en passant par le traitement d'images. Alors au final, le Honor 9 Lite et sa batterie de 3000 mAh a réussi à fonctionner pendant un peu plus de 5 heures, ce qui reste vraiment correct pour un smartphone qui dispose d'un si grand écran et d'une si grande définition. L'appareil propose les technologies sans fil du moment, à savoir il est compatible avec les réseaux 4G catégorie 6, on dispose aussi d'une connexion Wi-Fi 802.11 B, G et N à 2,4 GHz, mais pas de AC et donc pas de 5 GHz. Il est compatible avec le Bluetooth 4.2 et on peut aussi utiliser la puce NFC afin de faciliter l'appairage avec différents périphériques sans fil, comme par exemple un casque audio ou une petite enceinte portable. Côté photo, l'appareil est équipé à l'arrière d'un double capteur de 13 et 2 mégapixels.
avec une ouverture à f.2.2. L'interface est assez intuitive et agréable à utiliser, puisqu'on retrouve sur le haut de l'écran certains raccourcis, comme par exemple la fonction grande ouverture, qui sera conseillée pour réaliser des photos avec un effet bokeh et donc un flou d'arrière-plan. On retrouve aussi une fonction mode portrait, et pour terminer, on dispose aussi d'une fonction photo dynamique, qui vous servira pour réaliser de courtes vidéos lorsque vous prendrez une photo. L'appareil dispose d'une multitude de modes, comme par exemple un mode HDR, qui vous servira pour faire ressortir les détails lorsque votre environnement sera un peu sombre. On a aussi un mode panoramique pour réaliser des photos de paysage. On retrouve aussi un mode light painting pour capturer des traînées de lumière dans la nuit, et les modes photo et vidéo pro sont aussi présents, ce qui vous permettra donc d'avoir un contrôle total et d'ajuster au mieux l'ISO, l'exposition, la vitesse d'obturation ou encore la balance des blancs. Au niveau du rendu photo, c'est dans l'ensemble assez positif, même si on regrettera que le rendu photo soit un petit peu limité dans des conditions de faible luminosité. En revanche, en extérieur ou dans une pièce bien éclairée, le rendu est vraiment satisfaisant et on arrivera à obtenir de jolis clichés avec un bon niveau de détail et des couleurs très naturelles. Concernant la partie vidéo, on peut filmer au format Full HD 1080p 30 images par seconde. Ici, pas de stabilisation quant à l'autofocus, il est juste passable puisqu'on remarque un petit effet de pompage lorsque la mise au point s'effectue lors des déplacements. Et comme en mode photo, on constate qu'il a du mal en basse luminosité avec un rendu très granuleux. En revanche, en extérieur, avec une bonne luminosité, le rendu sera bien plus exploitable. Au final, ce Honor 9 Lite est un bon smartphone, il mérite bien 3 étoiles sur 5, il bénéficie d'un bon rapport qualité-prix, et côté point positif, on notera un design et une qualité de finition vraiment impeccable. L'interface est très réactive et agréable à utiliser. Côté téléphonie, pas de soucis particuliers avec une restitution des voix claire, et au niveau de son lecteur d'empreintes, je l'ai trouvé vraiment accessible et plutôt réactif. Concernant ses points faibles, on pourra souligner l'absence d'USB type C ou encore des performances photo assez décevantes en basse luminosité. Si maintenant vous souhaitez plus d'informations sur les caractéristiques techniques du produit, je vous invite à aller faire un petit tour dans le descriptif de la vidéo. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à rejoindre la chaîne YouTube en vous abonnant. Vous ferez alors partie des premiers informés sur la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Pour ma part, je vous retrouve prochainement pour un nouveau test. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt sur Geeksme. Ciao !